Boker Tov, Shavua Tov. Parashat Shlach Lecha, l'histoire des explorateurs. L'histoire des explorateurs doit nous faire réfléchir à nous tous sur nous-mêmes. Moshe Rabbeinu dit à Israël, on est censé à rentrer en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu veut nous ramener sur la terre de nos ancêtres. La terre qu'il a promis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, de donner cette terre à leurs enfants. Et vous devez venir pour voir Eretz Israël. Vous devez rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik de la génération. Et son rôle, c'est de motiver et de préparer le Ham Israël pour finir la Géoula. C'est lui le Goël, c'est lui le maître de la délivrance. Donc, finir la délivrance, c'est les ramener sur la Terre Sainte. C'est pas rien que les faire sortir d'Égypte et les laisser dans le désert. Sa mission, c'est de finir tout. La Géoula du Ham Israël. Et il leur dit de venir en Eretz Israël. Et en Israël, je lui demande, on veut voir Israël avant. On veut savoir de quelle terre il s'agit. C'est vrai, ils n'ont pas été 210 ans dans cette terre. Ils veulent savoir où ils vont. Moshe Rabbeinu, alors, shalom, avec son attachement à Kadosh Baruch Hu, il était sûr que le Ham Israël, sa question n'était pas de remettre en question est-ce qu'on veut rentrer en Israël ou on ne veut pas rentrer en Israël. Il s'est dit dans sa tête que la seule chose qu'il veut savoir, le Ham Israël, c'est comment acquérir Israël. C'est par où commencer. Par exemple, il y a des tactiques de guerre. Tu vas prendre la zone qui bloque le passage pour les autres, pour la nourriture, pour Israël. Alors, pour ça, on a besoin d'envoyer des espions. On n'était pas en Israël 210 ans. On a besoin d'envoyer des espions, des explorateurs, pour voir c'est quoi la terre, par où il faut rentrer. Par exemple, si j'ai une ville qui a de la nourriture et qui a des grosses murailles, cette ville, elle peut fatiguer les guerriers. Il ne faut pas attaquer cette ville tout de suite. Ils vont rester 20 ans là-dessus et ils ne vont pas rentrer en Israël. Donc pour Moshe Rabbeinu, l'idée des explorateurs, ce n'est pas de remettre en question la terre d'Israël. C'est comment acquérir la terre d'Israël. Alors il leur dit, vous allez commencer par le Negev, vous allez rentrer par le Negev. Vous allez voir, la terre est à Aretz Mahi. Quelles sont les conditions? Par exemple, où on peut trouver des sources d'eau pour nous tous, où on peut trouver de la nourriture facile, où on peut trouver des endroits où on peut camper dans une situation où la guerre elle, se complique, où on peut trouver un endroit sûr pour voir Israël. Vous allez voir la population par laquelle on va commencer, par laquelle on va terminer. La terre où il est. Si la terre elle est fertile, donc forcément que la population qui est là-bas, elle a de quoi manger, elle est riche. Donc il faut peut-être laisser à la fin, ou pour nous, rentrer au début et attraper ces endroits pour avoir de la nourriture, pour nourrir les familles, etc. Et si c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de nourriture, tu ne peux pas faire la guerre longtemps là-bas, tu ne peux pas rester là-bas longtemps. Donc tout ça, c'était pour comprendre plus ou moins par quel endroit on va commencer la guerre pour avoir une stratégie de guerre. Parce qu'on essaye de minimaliser ce qu'on compte sur les miracles, les mystiques, d'en faire les choses d'une manière humaine, sage, et faire les comptes. Moshe Rabbeinu a été d'accord dans ces conditions
d'envoyer des Meraglim. Sauf que le Ham Israël ont mal traduit les paroles de Moshe. Et pour eux, du moment où Moshe Rabbeinu était d'accord avec eux sur l'idée de base de l'idée de base de Moshe Rabbeinu était de quoi? D'aller voir la terre. Et eux, ils ont dit, il est d'accord avec nous de recevoir le compte rendu des miracles. Et quand les Méraglim, les espions, sont revenus avec leur idée tendue de ne pas rentrer en Israël, parce que eux, leur pensée n'était pas de venir donner un compte rendu, de dire est-ce qu'on rentre ou on ne rentre pas. Au lieu de dire, je ne vous ai pas demandé, on ne met même pas en doute la promesse d'Akadosh Baruch Hu de la terre d'Israël ou à Israël. Ça, ce n'est pas en doute. Hachem a dit de rentrer. Comment rentrer dans nos mains. Ça, il faut savoir. Mais eux, les Meraglim, ils ont voulu dire, c'est nous qu'on va décider, est-ce qu'on va rentrer ou on ne va pas rentrer. Et là, c'est autre chose. Et mon cher Rabbeinu dit non, ça, je n'accepte pas. Et là est venu le problème de l'âme d'Israël. Eh bien, maître, je pense que ça, c'est la vraie question dans la vie. Un homme doit sortir, un juif doit sortir d'un le point de base, une notion de base. Hachem veut que tu nourris. Hachem veut te donner une bracha. Non. De remettre en question ce que Hachem veut me donner et de dire ça ne me convient pas, ça, tu ne peux pas. Tu peux faire ta ishtadlout, tout ce que tu as à chercher, c'est de savoir. Est-ce que je vais faire assez pour recevoir, pour faire ce que Kadosh Baruch Hu me donne? Ou de remettre en question. La remise en question de tout, c'est une catastrophe. C'est la faute des miracles. Comment le faire? C'est la volonté d'Hachem. Comment le faire? Mon cher Abenou n'a pas vu de mal. Comment rentrer en Eretz Israël? Il a trouvé ça intelligent. Quand les Rames Israël, ils ont dit, on veut savoir comment. Il a dit, moi, je dis oui. Et il a préparé. Il a ramassé 12 chefs de tribu, des gens bien, des amotivés. Il leur a dit, les règles, comment il faut rentrer en Eretz Israël? C'est-à-dire que la Emouna, notre Emouna, il n'y a pas de question. Si Akadosh Baruch Hu veut me nourrir ou ne veut pas me nourrir. S'il veut que je fasse ou il ne veut pas que je fasse. C'est sûr qu'il veut que je fasse. Comment faire? Ça, c'est là où il faut s'intéresser. Mais remettre tout en question, je fais ou je ne fais pas, ça non. La punition des Meraglim, c'est qu'ils ont dit, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël parce qu'il y a des difficultés. Mais ces difficultés, Akadosh Baruch Hu, il les connaît. Si Hachem t'a dit de rentrer quand même en Eretz Israël, c'est que Hachem sait que tu peux affronter ces difficultés, qu'il n'y a pas de problème. Et quand tu renonces ça, tu renonces le cadeau d'Hachem. La seule chose que Akadosh Baruch Hu vous a autorisé à vérifier, c'est comment rentrer. Par quelle ville commencer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des notions de base, où on est sûr que Hachem veut qu'on fasse. Il n'y a pas de question. Est-ce que tu dois faire ta prière ou tu ne dois pas faire ta prière? Tu dois la faire. Il y a une autre question. Comment tu fais ta prière? Quelles sont les conditions de faire ta prière? Pas une question. Est-ce que tu dois faire Shabbat ou tu ne dois pas faire Shabbat? Tu dois pas faire Shabbat. Comment tu fais Shabbat? C'est encore une chose. Ça, tu as le droit de savoir. Il y a le quoi et il y a le pourquoi. Le quoi, je dois le faire. Le pourquoi, tu as le droit de poser des questions. Mais ces questions n'ont pas le droit d'influencer ta mitzvah. Quand quelqu'un il rentre dans la philosophie, dans les questions, et il met tout dans le débat, là, il peut faire toutes ses émotions. Il faut savoir que la base de tout, c'est la Emouna en Hachem Yitbarach, comme la Emouna en Eretz Israël. En Eretz Israël, on doit rentrer. Chaque juif doit vivre en Eretz Israël. Un homme qui dit Eretz Israël, ce n'est pas pour moi, c'est un menteur.
Il a contredit la base de la Torah, que Eretz Israël, c'est pour tout l'homme Israël. Ce n'est pas un juif dans le monde qui peut dire que Israël, ce n'est pas pour lui. Celui qui dit Israël, ce n'est pas pour moi, il fait partie des explorateurs. Il peut dire quelles sont les circonstances, oui, où je dois aller habiter, il faut que je trouve un endroit qui me convient. Tout ça, c'est admis. Mais de remettre en question, parce que tu n'as pas trouvé de réponse, de remettre en question Israël, de remettre en question une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis qu'il allait nous amener Mashiach. Alors, est-ce que je peux dire par conclusion que je vois, comme je vois qu'il y a eu une Shoah, donc il ne va pas y avoir Mashiach ? Comment il va venir ? Ça devient plus compliqué. Il va venir. Hachem m'a promis qu'il allait me donner une parnassa. Hachem, quand il me met dans le monde, c'est qu'il me nourrit. C'est qu'il est censé me donner tout. De remettre en question la parole d'Hachem, c'est très très grave. Et d'essayer de chercher quelle est ma voie, c'est Bouddha. Ne pas remettre en question Hachem. La faute des Meraglim, c'est qu'ils ont remis Hachem en question. C'était des tzadikim. Mon cher Benoît leur a donné les outils pour donner un compte rendu. Comment rentrer en Eretz Israël ? Pas est-ce qu'il faut rentrer ou il ne faut pas rentrer en Eretz Israël. Eux, ils ont pris cette force que mon cher Abbé nous leur a donnée dans les mains, de lui donner un compte rendu. Comment rentrer en Eretz Israël ? Ils ont dit non. Est-ce qu'il faut rentrer en Eretz Israël ou il ne faut pas rentrer en Eretz Israël ? Ils ont dit voilà, tu nous as envoyé. Maintenant, tu regrettes parce que tu vois que ça ne t'arrange pas. Non. Je ne vous ai jamais envoyé. Je n'ai pas de doute sur Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la terre promise. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la terre où on a rêvé, c'est la terre où Akadosh Baruch Hu, celui qui m'a donné cette force incroyable de venir par une personne qui met 10 plaies sur l'Égypte et qui renverse l'Égypte entière. C'est le même Dieu qui a dit de vous amener en Eretz Israël. Eretz Israël, il n'y a pas une question sur Eretz Israël. De quelle manière entrer ? Pour commencer, ça c'est la question. Il faut faire toujours souvent cette. Avoir cette idée, il n'y a pas de remettre en question Hachem, remettre en question la situation. Comment faire, c'est normal. C'est admis. Sagesse. Penser, faire les choses bien pensées, bien calculées. Ça, c'est la base de la avodat Hachem. Remettre en question, c'est la sitra. Yetzera, il vient dans toute notre vie. Quand on rencontre une difficulté, il remet tout en question. Il fait exactement ce que les explorateurs ont fait. Quand on te dit, il trouve le bon chemin, comment faire la mitzvah ? Et lui, quand il rejoint une difficulté, il dit, eh ben, si c'est comme ça, je ne dois pas faire la mitzvah. Non, tu dois la faire. Tu dois penser un peu plus. Comment faire la mitzvah ? Il ne faut jamais oublier, jamais se tromper face des shalom. On a besoin, on est dévoué, on a besoin de faire la mitzvah. Comment ? Il faut faire beaucoup d'avodat Hashem. Beaucoup de demandes sincères à Hashem Yitbarach de nous dévoiler le bon chemin pour faire les mitzvot comme il faut, comme il se doit. Et quand on est dans ce chemin du Emet, on atteint, on arrive à l'avodat Hashem, on reste introduit dans le chemin d'Hashem. Bahou Radonai le Olam, Amen Ve'Amen. Bonne journée, bonne semaine à tous et à tous.